Attention, si vous êtes un mordu d'Apple, arrêtez tout de suite cette vidéo-là avant que quelqu'un me fasse une infusion nucléaire radioactive sur moi. Merci. Après Tchernobyl, après Fukushima, nous avons trouvé la nouvelle catastrophe nucléaire du 22e siècle, j'ai nommé l'iPhone 6S. Et pourquoi? Bah parce que déjà, on va comparer la vidéo de présentation de l'iPhone 6S et de l'iPhone 4S. Et la flemme des employés d'Apple se voit! Non mais sérieux quoi! Regardez d'abord la vidéo de l'iPhone 4S. Sur 5 minutes de vidéo, on a environ 77 secondes de poésie. Oui, parce que Apple est expert en poésie, hein. C'est genre le genre de la fontaine du 22e siècle. Pourquoi Apple ne ferait pas de poésie au lieu de... Non, 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 laissez tomber! Ensuite, on a 1 minute et 14 secondes consacrées à Siri, hein, le truc que tu sais même pas à quoi ça sert tellement tu l'utilises jamais. 42 secondes de performance. Ouais, c'est raisonnable avec la poésie, je rappelle. 1 minute et demie de... expérience photo, on va dire, et 25 secondes de bordel et de tralala avec iCloud, hein, tu sais, le service qui fait que des millions de personnes ont chialé devant leur appareil juste parce qu'il a été bloqué. Mais arrêtez de polluer le bon coin avec ces iPhones bloqués! Enfin, enlevez cette fonction et tout le monde sera content! Merde! Enfin, ceux qui ont oublié leur login. Bon, voilà, au moins on te parlait de plein de trucs variés, même si déjà à cette époque-là, Apple pouvait se reconvertir dans la poésie, les fables et tout ça. En 2015. Préparez-vous à la révolution du 22e siècle avec la vidéo de l'iPhone 6S. Pour commencer, on a 12 secondes de écran blanc. Oui, c'est pas une blague, c'est vraiment la vraie vidéo. Putain, ils ont tellement voulu la faire sobre que c'est parti en couille. On sait maintenant qu'en 2075, Apple se reconvertira dans la poésie. Et d'ailleurs, on a 2 minutes 26 secondes de poésie. Ah non, finalement ce sera en 2025 que Apple sortira sa première fable. Voilà, c'est noté. Elle est 1 minute et la seconde qui reste est consacrée à 3D Touch. Innovation. Et rien d'autre. À seulement 750 euros pour le modèle inutilisable de 16 Go. Le nouveau combat dans les cours de récré, ce sera dans quelques jours et c'est l'iPhone 6S et le Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Putain! Mais quel message cache le nom du téléphone de Samsung, bordel? Et côté perf technique, au niveau de la puissance, eh bien l'iPhone est vraiment loin à côté du Samsung. Bon oui, Apple fait des efforts sur l'optimisation de l'OS. Mais voilà, quand on regarde le prix, vous pouvez plus rien dire, tu fais moi ton malin! Attends, attends, regardez-moi ce document confidentiel que j'ai récupéré. 0,1% du chiffre d'affaires part dans le salaire des ouvriers qui fabriquent ces appareils. 0,1% est parti dans les recherches et développements. Visiblement, avec 0,1%, ils ont découvert que le sulfate de cuivre anhydre devient bleu avec de l'eau. Et justement, cette découverte incroyable n'a absolument pas servi au développement du nouvel iPhone. Donc, ce qu'ils ont fait n'a absolument aucun putain de sens. 99,8% de l'iPhone Money est parti chez KFC, chez McDo ou encore Quick, parce que je sais pas si tu es au courant, mais au siège d'Apple à Cupertino, le siège est rempli de fast-food en tout genre. En fait, il n'y a aucune salle de recherche et développement. Non, toutes les salles sont des restaurants KFC ou McDo. J'aurais bien aimé manger chez Apple. Sauf que toutes les salles sont remplies de mecs en obésité maximale. Il y en a tellement trop qu'ils ont bouché la porte d'entrée. C'est quoi ce bordel? Et surtout, la raison number one de tous les temps. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent super dur tous les jours. Il y a des gens qui travaillent plus de 15 heures par jour. Il y a des gens qui travaillent dans des conditions militaires. Il y a des gens qui sont morts à cause d'intoxication. Il y a des gens qui sont morts à cause de suicide. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de se plaindre. Il y a des gens qui se sont fait voler leur papier d'identité par Foxconn. Il y a des gens qui ont fait grève. Il y a des gens qui sont mineurs et qui travaillent ici. Alors pourquoi vous continuez à acheter des putains d'iPhone de merde alors qu'on peut commander à faire faire ici par de merde? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi tout le monde est obligé de sacrifier d'autres morts parce que pour ça, l'argent?